これが最後の月牙伝承だ <music> 俺が俺が守る Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce qui est très certainement la dernière VOD de 2019. Alors quand je vous dis dernière VOD, oui c'est la dernière VOD que je tourne, que je prépare, que je monte, parce qu'après j'ai encore quelques redits fort tard à uploader côté YouTube, donc voilà, c'est le dernier sujet que j'aborde avec vous en vidéo. Je viens de jeter un petit coup d'œil effectivement dans mon retour OBS qui est juste là. Non, je me dégarnis pas, d'accord hein, C'est des veuches blancs, voilà. Regardez, oh les beaux cheveux blancs, waouh non, j'en parle parce que certaines personnes me disaient justement, bah tiens, pourquoi tu te ferais pas une coloration pour atténuer un petit peu Ouais, ça va, fous-moi la paix, j'ai 34 ans, tu vas pas me saouler avec tes colorations, lâche-moi les baskets quoi. Écoute, hein, les vœux blancs ça arrive à tout le monde, hein, vous en aurez forcément, vous en avez peut-être déjà, il y en a qui les ont eu plus jeunes, hein, euh, voilà, bah écoutez, ma bah, 34 berges, j'ai mes premiers veuves blancs, puis je le vis bien. Et dans le même délire, hein, ceux qui s'inquiétaient de ma beubin, oh là là, t'as perdu 10 ans, oh là là, ça te va pas, machin, bon, ouais, d'accord, c'est que ça a marqué les gens positivement ou négativement, il n'y a pas de souci mais regardez, voyez ça revient, je vous l'avais dit. Laissez-moi encore, je pense, le mois de janvier, vous allez voir, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus confortable. Alors, au travers de ce sujet, je voulais refaire un petit point rapidement sur euh, quelques petits événements qui sont passés dans le courant de l'année. Ce sera l'occasion justement de pouvoir euh, remercier un petit peu l'ensemble des personnes ayant contribué à cette situation. Mais également vous faire un petit point, on va dire euh, organisation sur comment ça va se goupiller, notamment sur cette semaine, mais après à plus long terme dans l'avenir, justement à partir de début 2020. Là, du coup, en évoquant le fait qu'aujourd'hui, c'est certainement le dernier sujet de 2019, et eh bien je pense que je viens de répondre indirectement à une une question qui m'est pas mal posée déjà depuis ce week-end. Une question, vous vous en doutez, oh là là, quelle surprise relative à Beach Brake Souls, dis donc. La question c'est de savoir si demain je ferai mes poules en VOD ou en stream, peu importe, concernant la guerre sanglante 7 vague. Je vais vous donner un discours à peu près similaire que celui que je vous ai donné pour la journée du 24 décembre, hein, c'est-à-dire que concrètement demain matin, je ne serai pas en capacité de streamer, puisque du coup je ne peux pas faire garder mes enfants ou quoi qu'est-ce. Hein. Donc demain matin, automatiquement, je ne pourrai pas faire de stream. Je vais pas laisser mes enfants se débrouiller seuls, c'est pas possible. Dans la journée, je suis pas convaincu j'aurai le temps de vous préparer quoi que ce soit, puisqu'on sera en plein préparatif du réveil. Euh, certes ma petite euh, sera en train de faire sa sieste mais j'aurai mon grand à occuper aussi donc euh, ce ne sera pas forcément les conditions les plus idéales pour pouvoir m'occuper de sortir du contenu côté youtube c'est pour ça que très sincèrement à la base demain moi je prévoyais juste à la limite peut-être de ploder une ou deux redifs que j'ai en retard mais je prévoyais pas forcément quelque chose de super construit quoi et demain soir vous oubliez hein, voilà je préfère être totalement clair avec vous hein. là demain c'est euh, idem la semaine dernière euh, à la au même jour c'est à dire que demain voilà dès que ma femme rentre on se lance dans les préparatifs du, euh, du réveillon on est attendu chez des amis etc donc voilà euh, voilà, Non, c'est pas possible du tout. Dans le même esprit, mercredi matin, vous attendez pas non plus à ce qu'il y ait de stream. Hein. Vous doutez bien que le matin du 1er janvier, selon comment ça va se goupiller niveau organisation, 12 à 12 il y a de grandes chances que je sois peut-être pas non plus en capacité physique ou psychique hein, de pouvoir streamer non plus. Hein. Après tout, merde, c'est une fois dans l'année. Hein. Bref, donc si on devait revenir sur du contenu régulier, euh, vraiment euh, production, VOD, stream, etc., ça devrait normalement revenir peut-être un petit peu plus à la normale d'ici mercredi soir. Et concernant les poules sur BBS, bah écoutez, il me semble que au minimum, une fois par semaine, on a euh, un créneau sur Twitch qui est dédié justement au poules de la guerre sanglante. Donc, ça tombera le vendredi, j'imagine là le vendredi, ce, ce vendredi-là, cette fin de semaine, que le peuple de YouTube se rassure naturellement puisque là on parle de faire les tirages sur Twitch. Il y aura naturellement un local record qui sera uploadé dès ce week-end dans la foulée. Ensuite, il y a aussi bien sûr tout ce qui va te concerner euh, le gros stock de tickets euh, accessoires et perso que j'ai de côté. Donc tout ça, je vous le ferai très certainement en stream aussi avec le local record. J'ai pas la date précise pour ça. Ce sera peut-être Plutôt la semaine prochaine. Je pense que je vais laisser passer toute cette période de fête, etc. On va revenir dans une période un peu plus calme et à partir de là, je commencerai à me lâcher un petit peu avec tout ça. Bref, pour revenir un petit peu plus précisément sur l'ensemble de cette année 2019 qui maintenant s'achève, j'avais pris un petit peu d'avance lors d'une VOD préparatoire que je vous avais fait la semaine dernière. Ça a été vraiment une année 2019 qui vraiment a été très mouvementée, a été sujette à plein de changements. Il faut savoir qu'à la base, moi je suis quelqu'un qui aime bien se reposer sur ses acquis, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aime bien découvrir, mais à partir du moment où j'ai un certain confort dans une Certaines situations, je suis pas forcément proactif dans la découverte pour vraiment aller au-delà de ce que je connais, au-delà de ce que je sais faire. Mais tout ça, ça fait partie aussi du taf. Hein. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas continuellement rester sur tes acquis, rester sur ce que tu sais. C'est le, tous les métiers du numérique, que ce soit en rapport avec Twitch, avec YouTube, que ce soit le métier de créateur de contenu, le métier de streamer, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Tu peux pas te permettre de rester sur des choses qui ont sont acquises depuis 2016, 2015 et puis te dire que non, c'est bon, je m'arrête à ça, il n'y a que ça que je sais faire. C'est pour ça notamment que j'ai pas mal traîné en longueur parce que le l'histoire de Twitch en fait si vous voulez la chaîne il y a des années qu'elle existe en fait cette chaîne Twitch hein. je crois que je l'ai créée euh, peut-être un an après avoir ouvert la chaîne YouTube donc pour vous dire ça fait quand même longtemps quoi mais non je sais pas vous voyez au fur et à mesure les premiers streams sur euh, YouTube ont commencé à arriver il y a quelques années de ça euh, du coup j'ai commencé à installer mon petit confort mes petites habitudes voilà donc on commençait vraiment à être bien installé sur YouTube et puis je me voyais pas changer ce quotidien hein, je sais pas je me disais ouais bah écoute je sais comment fonctionne YouTube je sais pas comment fonctionne Twitch donc pourquoi j'irais m'emmerder alors que la plateforme à la base euh, je la maîtrise quoi mais au fur et à mesure le temps passant euh, les réalité euh, se présentant face à mes yeux, hein, voilà, il fallait bien se rendre compte d'une chose, c'est que euh, YouTube c'est bien joli, euh, mais euh, YouTube euh, durcit effectivement euh, sa politique par rapport à énormément de points, il euh, y a énormément de, de clauses vraiment pas claires qui se mettent en place où il euh, y a pas mal de zones d'ombre, de zones de flou. Là le dernier exemple en date c'est encore la loi Copa par rapport au contenu qui serait éligible pour les enfants. C'est quand même très large hein, parce que concrètement moi je présente des choses qui sont sur l'univers des dessins animés, si on veut aller par là. Les dessins animés, ben bah, en soi c'est regardable par les enfants. Donc euh, voilà, enfin bref, il y a tout un délire, je vous explique pas, c'est un bordel à gérer en off, mais bon, ça la limite, hein, c'est pour moi. Gardez ça de côté, on s'en fout. Et puis derrière, bah aussi, il faut bien se rendre compte des évidences, hein, YouTube c'est un hébergeur, hein, c'est-à-dire que concrètement, ils sont là pour euh, héberger le contenu vidéo que l'on que l'on produit, que l'on propose, euh, et, et Twitch, derrière, c'est une véritable plateforme de stream. Voilà, c'est spécialisé dans le domaine du stream. YouTube, c'est des hébergeurs qui ont une fonction stream, alors que Twitch, c'est pas des hébergeurs. Enfin, hein, concrètement, aussi, ils vont héberger tes rediffs de stream pendant quelques semaines, quelques mois, selon ton statut entre affiliés partenaire c'est pour ça aussi que je voulais revenir sur ce point-là, c'est que beaucoup de personnes me réclament encore le retour des streams sur YouTube. Euh, je pensais que ce point-là était clair. Maintenant, depuis le temps que l'on stream sur Twitch, mais non, ça n'arrivera jamais, les gars. Ça n'arrivera jamais. On a définitivement stoppé les streams du côté YouTube au mois de mars. Et c'est pas pour faire un retour en arrière. C'est pas possible. Là, on a la, la chaîne Twitch connaît un essor considérable depuis quelques mois. D'ailleurs, depuis que c'est en place, je m'attendais pas d'ailleurs à une progression aussi rapide. C'est pour ça que là, déjà, tout à l'heure en début de VOD, je parlais de remerciements pour les, les personnes qui ont œuvré dans ce sens-là. Bon, on va commencer par Twitch, parce que c'est vrai que à la base je partais d'une certaine entre guillemets facilité par rapport à une personne qui déboule du jour au lendemain sur sur internet c'est que j'avais déjà ma chaîne youtube comme appui justement pour la chaîne twitch un noyau dur qui s'était constitué côté youtube a suivi directement côté twitch et ça a permis de commencer à faire les premiers followers les premiers subs également c'est arrivé très peu de temps après dans la foulée et aujourd'hui les nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne youtube justement découvrent le fait que ah mais ils stream aussi ah c'est sur twitch ok bon bah du coup on, on fait deux trois clics on prend 3 minutes on renseigne une adresse mail on se crée un compte twitch et hop comme Ça, les personnes ne ratent rien que ce soit du contenu VOD côté YouTube comme du contenu stream côté Twitch. Donc, déjà rien que pour ça, je tenais à vous remercier parce que une personne qui vient tout juste de se lancer à moins d'avoir une idée ultra novatrice, je sais pas vraiment comment ça peut se goupiller, mais bon, 5000 euh, quasiment 5500 followers, je crois, en l'espace de même pas un an finalement, parce donc en l'espace de 8-9 mois, euh, déjà monté un, une quantité de personnes incroyables euh, comme celle-ci qui arrivent à me suivre euh, et qui sont qui répondent présent à chaque fois pour cette variété de contenu. Et bien, déjà rien que pour ça, merci à vous. On était parti du principe qu'on allait pas recommencer les mêmes. Erreurs euh, par rapport à YouTube, c'est à dire que YouTube, je me suis pas mal entériné dans un contenu fixe basé quasiment sur le même univers, voire peut-être même dans certains cas sur le même jeu. Et j'ai clairement dit que côté Twitch, il ne se passerait jamais ça, c'est à dire que moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui a été, euh, on va dire, élevé entre guillemets dans le domaine vidéoludique à ne se contenter que d'un seul contenu. J'ai des goûts qui sont très éclectiques dans beaucoup de domaines, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des films, des séries, au niveau des jeux. Voilà, j'aime beaucoup me diversifier par rapport à ça. J'aime bien voir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Et sur Twitch, bah écoutez, hein, je sais pas combien de jeux différents. On a passé depuis que la chaîne est réellement active à plein temps, mais on en a passé quand même une certaine quantité. Peu de temps après, le statut d'affilié est arrivé à embrayer quasiment dans la foulée le statut de partenaire. Donc c'est vrai que derrière, à partir du moment où tu es affilié, voire même encore plus derrière partenaire, tu découvres un autre monde. Clairement, Twitch par rapport à YouTube, c'est vraiment un grand, grand, grand délire quoi. C'est vraiment une plateforme qui est vraiment super agréable, qui est vraiment, tu sens le, le côté plateforme spécialisée dans l'expérience streaming. C'est-à-dire que toi en tant que viewer ou moi en tant que streamer derrière, ça reste une expérience qui est beaucoup Beaucoup plus agréable, je trouve. Moi, quand je regarde d'autres streamers, et moi en tant que streamer, c'est quand même beaucoup plus confort que ce que je pouvais connaître côté YouTube. Après, derrière tout ça, ça a amené à pas mal de petites choses, mine de rien. Puisque, entre les différentes op, bon, il y en a pas eu énormément non plus cette année, mais les différentes op qui font que voilà, plus on avance dans le temps, plus on commence à se faire une petite notoriété, mine de rien. Je dis bien petite hein, parce que voilà, à mon échelle, je pèse malheureusement pas grand chose. Hein. Mais l'op par exemple, pour SS1, hein, Sensei Awakening, lors de la sortie de la version globale, je jouais déjà la version SEA depuis un petit moment, donc j'ai envie de dire que le fait que ces personnes me contactent à ce moment-là, ça a été vraiment vraiment wow, la révélation je dis ah bon carrément quoi après dans ce qui a été euh, concrétisé également il y a eu l'OP avec jay MyPad hein, donc la manette de la manette de jeu pour mobile là plus récemment j'ai pu obtenir mon statut d'affilié justement on m'a contacté c'est Nord donc euh, qui notamment a fait euh, cette petite présentation overlay mais qui fait toute la présentation générale des VOD enfin une grosse 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 partie en tout cas de ce que j'ai l'habitude de prendre Nord qui m'a contacté pour me m'intégrer à leur euh, programme d'affilié ça a été pour moi une sorte de consécration c'est toujours intéressant en fait dans le cadre des OP euh, quand on te propose du, du, du job comme ça ou bien de, de rejoindre un groupe précis, c'est toujours très flatteur, justement, de te dire que tu es contacté par des gens dont tu admires le boulot déjà depuis un bon petit moment. On peut aussi parler de la présentation sur Protocore, hein, ce, ce jeu FPS incroyable, édité par un studio français, en plus un studio indé, FR, les gars, c'est quand même pas de la merde. Moi, j'ai reçu une, une petite clé comme ça gratos par mail et on a testé le jeu pendant toute une soirée et clairement, ça a été le pied absolu. Vous bon, voyez, c'est plein de rencontres, c'est plein de découvertes, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'au fur et à mesure que l'année 2019 avançait, eh ben, j'avais pas le temps, en fait, de me poser sur mes acquis, comme je vous en parlais tout à l'heure. Il y avait toujours quelque chose qui venait formuler un renouveau, qui venait m'apporter quelque chose que je connaissais pas encore, et vraiment ça a été une découverte constante, vraiment du premier au dernier jour de cette année, et vraiment ça a été vraiment une expérience super intéressante parce que faire des VOD sur Youtube, on sait, à l'époque faire des streams sur Youtube, on savait aussi, mais à un moment donné, sortir un petit peu de cette zone de confort pour essayer d'aller vraiment de l'avant par rapport à ça, bah c'était pas forcément quelque chose sur lequel j'étais très proactif, et mine de rien, tous ces contacts, toutes ces expériences ont fait que bah, ça m'a un petit peu bougé le cul, et ça m'a permis justement d'aller dans des univers, d'aller explorer des coins que je n'aurais jamais pensé connaître un jour. Tout ça, ça a vraiment contribué à mener encore une expérience formidable tout le long de l'année 2019. Ensuite, en 2020, qu'est-ce qui va se passer côté euh, YouTube comme côté Twitch Eh bien, tout simplement, on va continuer sur notre lancée du mieux possible hein, par rapport justement à cet élan que 2019 m'aura procuré par rapport encore une fois à l'ensemble de ces nouvelles expériences. Hein. On a des gros programmes encore sur le feu euh, côté Twitch. Hein. Là, on, a, on est sur la toute, toute toute fin de Mass Effect Andromeda, il reste une petite connerie à régler. On a Spider-Man à finir, on a entamé il y a pas longtemps The Witcher 3, on a encore Assassin's Creed Odyssey qui traîne de côté. J'ai encore Sekiro, mais bon, ça c'est pour un sub goal, mais sinon on a DMC5 à faire aussi. Et là je vous parle même pas des futures sorties, hein. on a Doom Eternal par exemple, on a Cyberpunk 2077 aussi, euh, qui sont des jeux que j'attends de pied ferme. Donc du coup, ça me permet de faire un parallèle avec YouTube, hein, puisque je sais que certaines personnes côté YouTube ont un petit peu de mal à se détacher du contenu qui est majoritairement proposé, c'est-à-dire en règle générale les VOD sur la thématique de Beach Souls. Mais je sais que d'autres personnes à côté justement se montrent désireuses de voir un peu plus de variété donc je pense également à vous euh, il y aura bien naturellement à chaque fois les VOD qui seront systématiquement proposés sur YouTube justement pour que toute cette diversité ne concerne pas que Twitch mais que également le peuple de YouTube puisse également avoir son petit programme qui varie un petit peu de temps en temps Ensuite côté setup, euh, j'avais prévu de vous faire une petite VOD justement dans la euh, je pense pas cette semaine mais la semaine prochaine petite VOD justement parce qu'il y a eu pas mal de changements là aussi dans le courant de l'année 2019, vous savez que je vous avais fait une VOD au début de l'année la, justement ou pour que vous puissiez voir les changements entre début 2018 et ce que tout le matériel que j'avais installé en plus. Donc il y a eu pas mal de réorganisation dans la pièce hein, ceux qui ont vu les streams récents sur Twitch notamment quand on assemble les mid clauses, bon, vous avez pu entreapercevoir quelques petits trucs mais ça je vous le ferai euh, vraiment à un moment précis, c'est-à-dire que j'attends juste en fait de pouvoir faire un truc con mais euh, vraiment qui va être primordial, c'est-à-dire que pour Noël en fait dans, dans mes cadeaux de Noël euh, slash anniversaire également, eh bien j'ai un nouveau meuble de bureau donc qui va être un bureau d'angle qui va être beaucoup plus grand qui va me permettre de pouvoir mieux m'étaler, mieux répartir mon matériel et également un nouveau fauteuil de bureau de manière à pouvoir virer euh, cette espèce de saloperie qui tombe en rade euh, malgré le prix que ça a coûté à l'époque. Du coup je serai dans un environnement beaucoup plus confort, beaucoup plus propre également parce que quand vous regardez euh, ma disposition actuelle, euh, bah, c'est vraiment pas un truc que je montrerai pour les amoureux du cable management hein, parce que là il y a des trucs vraiment, euh, voilà c'est pas très très charlie ce qui se passe derrière ma tour. Par exemple. Donc ce sera déjà plus présentable, ce sera plus confortable également et ça me permettra aussi et surtout d'installer, j'ai envie de dire, les consoles qui sont restées encore dans les cartons. C'est-à-dire que là, ça fait un an que ma chérie m'a acheté une mini NES qui est toujours dans son carton, donc là ça me permettra enfin de l'installer. Et plus récemment, merci encore NDZ, nous avons reçu pour Noël une Switch à la maison, donc avec différents jeux incorporant notamment Pokémon Sword. Donc cette Switch sera naturellement installée ici en prévision de futurs streams tout au long de l'année 2020, justement, à commencer par bien sûr Pokémon Sword. Donc la nouvelle VOD setup où oui, je pense vous la faire vraiment dans le courant du mois de janvier. J'attends juste que la nouvelle disposition soit intégralement terminée, que je puisse ranger parce qu'il y a quand même encore pas mal de bordel mine de rien. La nouvelle disposition m'a fait quand même bouger pas mal de choses dans la pièce, donc le temps que tout soit bien rangé, tout bien organisé, je vous ferai un truc bien propre, bien carré, machin. Et comme j'ai l'habitude de vous faire hein, de toute façon d'année en année. Après pour le reste côté euh, on va dire euh, job additionnel par exemple d'éventuels op ou autre. Pour l'instant le calendrier est 100% vide. J'ai rien qui se présente pour le moment, mais euh, j'ai déjà commencé à tâter le terrain euh, sur deux, trois petites choses donc ça je vous en parlerai un peu plus précisément si toutefois bien sûr le schmelblick avance un peu. Donc pour ceux qui seront présents ce soir sur twitch donc on aura l'occasion évidemment de pouvoir se souhaiter euh, meilleurs voeux etc tout ce qui va bien mais concernant toi cher peuple de youtube je n'aurai pas d'autre occasion de m'exprimer sur la chaîne d'ici à demain soir donc je te laisse dès à présent en te souhaitant bien sûr le meilleur pour cette euh, année qui commence cette année à venir hein, tant sur le plan personnel le professionnel l'argent l'amour la vie dans son ensemble bref peu importe tous les côtés positifs que ton quotidien peut apporter évidemment je te les souhaite de bons avant de vous quitter, je vais encore faire un petit peu mon relou, mais on va renouveler évidemment les précautions d'usage. On rappelle que notamment les fêtes de Noël, bon, c'est plus familial, c'est plus festif, voilà. Mais on sait qu'en général, le 31 ça part un petit peu plus facilement en vrille parce que, certes, on bouge bien. On est probablement la plupart du temps entre potes pour ceux qui fêteront le nouvel an, ceux qui, bien sûr, n'auront pas la contrainte de travailler ou autre chose dans le genre. Et évidemment, on va pas se mentir, on sait très bien que ce soir-là, on va pas forcément boire que de la cristalline. Donc, je compte sur vous si vraiment vous avez déconné là-dessus. Après tout, la modération, on s'en fout hein, encore. Enfin on l'a dit, c'est qu'une fois dans l'année, mais surtout, déconnez pas, bordel. Si Jamais vous avez picolé, vous pioncez sur place. Encore une fois, je renouvelle le souhait de vous retrouver tous prochainement lors des prochaines diffusions, que ce soit VOD ou stream, au taquet, en forme, avec le même élan, le même entrain que vous avez eu tout au long de cette année, et de préférence sans apprendre qu'un tel ou un tel s'est foutu au tas parce qu'il a déconné, il se pensait capable de prendre le volant, et finalement il s'est foutu dans le premier fossé 100 mètres après être parti. Par pitié, quoi, soyez pas con. À un moment donné, prévoyez de pioncer sur place. Vous voyez, concrètement, moi, mon 31, c'est un peu ce qui se prévoit aussi. Clairement, on sera chez des chez amis, on sera avec pas mal de couples de potes, et puis bon, bah clairement, voilà, là aussi, chez nous, on va pas boire que de la cristalline, hein, donc bah forcément il va se passer que selon comment ça va se goupiller, je pars déjà avec 95% de chance de dormir sur place quoi. Après, faut pas risquer non plus, parce que même si voilà, on craint rien, machin, bidule, oui, on a picolé, mais ça va, on peut conduire, oui, mais non, c'est soit tu te fous au tas, soit tu te fais contrôler par le premier képi qui sera dehors à ce moment-là, puis tu penses bien que la nuit du 31, ils vont faire la chasse de partout, et là tu vas faire quoi Bah tu vas laisser ton permis sur le bas côté et puis terminer quoi. Non, 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 ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, franchement, pour une soirée, soyez raisonnable, au moins par rapport à ça. Bon, maintenant j'ai bien fait mon vieux casse-couille à vous rappeler les trucs d'usage, je vais vous laisser là-dessus. Encore une fois, je vous renouvelle tout. Mais meilleurs vœux tout ce qui peut vous arriver de plus agréable dans tout votre quotidien sur l'ensemble de l'année à venir Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent réveillon, très bonne fête, kiffez bien ce moment Et je vous retrouve très bientôt en forme pour la suite Des bisous tout le monde, ciao